pour défendre Israël contre le Hamas, 300 000 réservistes ont été appelés sur le front par Tsahal. Parmi eux, les deux enfants de Laurent Torjman. Ce père de famille vit à Ashdod, dans le sud d'Israël. Il a une fille de 18 ans, un garçon de 21 ans, qui ont tous les deux décidé d'aller défendre leur pays sans hésiter une seconde. Ma fille qui était partie en vacances une semaine en France, ça fait depuis samedi matin qu'elle trépigne et qu'elle veut revenir au plus vite et faire ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire faire son job de garde frontière en fait. Elle me dit capable, dès que je rentre, je fonce dans le sud, je veux absolument remplacer les filles qui ont été assassinées, je veux aller faire mon boulot quoi. Au même titre que mon fils qui lui est combattant, qui est déjà sur le front sud, là, il veut aussi faire sa part. La fierté, si vous voulez, elle est présente, elle est là. Et j'en suis heureux aussi, mais en même temps que je vous dis ça, ma voix tremble parce que on est dans une vraie guerre totale contre le Hamas. Et oui, donc je sais pertinemment que ça va être encore plus dur les jours à venir. Le témoignage ce matin sur Europe 1 de Laurent Torjman, père de deux jeunes réservistes israéliens.